Bon alors, je suis inondé de soleil. On est à Tinir et on a trouvé asile dans une famille berbère à l'auberge Mabrouk où ils accueillent aussi les camping-cars pour 60 dirhams par jour avec électricité. Vous imaginez le tarif. Et alors, je vais vous montrer la vue qu'on a. Ah, nous sommes partis avec Saïd faire quelques courses et devinez quoi, on va aller acheter de la bière. Alors je sais pas si ça se voit à la caméra, donc derrière il y a la palmeraie et là-bas il y a la montagne. Mais alors on est à côté du désert quoi. Donc en fait il y a une poussière du désert incroyable et ceux qui souffrent des sinus ou de la gorge et tout, c'est un peu compliqué, mais leur truc là pour se protéger, c'est plutôt efficace. Alors, comme je vous ai dit précédemment, nous ne sommes pas sur un camping. Nous sommes chez une famille berbère de 14 membres. Donc, ça fait du monde. Et on dort chez eux dans la cour, quoi. Et ça, c'est un accueil formidable au Maroc. Alors, je voulais vous filmer les toilettes. J'adore le côté femme et le côté homme. On est au Maroc. On est chez des gens, mais franchement, c'est trop sympa. C'est rudimentaire, mais ça existe. Mais je vais pas prendre une douche. Bon bah on est reparti en ville avec Saïd, toute une histoire. Regardez, c'est pas génial d'être dans une famille. Ils ont deux vaches. Alors, ce matin, avant de partir, on boit le thé avec la famille, avec Fatima. Bon, Saïd est là, bien sûr. Hein. Ah, ça, c'est vraiment la découverte qu'on aime. Et ça tombe, on part faire une randonnée avec Saïd dans la palmeraie. Je pense qu'on va se régaler. Alors Saïd nous explique qu'ici, même s'ils ont de l'eau, puisque la montagne n'est pas loin, on est entre la montagne et le désert, c'est très très réglementé. Chacun doit prendre un peu d'eau pour sa parcelle, mais laisser à l'autre. Enfin bon, c'est toute une alchimie qui nous dépasse un peu, mais bah, apparemment ça se passe bien, il n'y a pas de dispute. Mais c'est vraiment c'est super beau, il y a plein de petits canaux, c'est vraiment chouette. Donc là, nous sommes dans l'ancien village où Saïd est né. Et bah, c'est abandonné maintenant parce que les constructions, c'est plus les mêmes, mais c'est vraiment superbe. On va aller voir le prix de l'eau.
anciens, il y a longtemps, longtemps, ils s'astudisent encore. Alors là, on va dans ce qu'on appelle l'ancien puits. Alors ici, c'est avant, c'était derrière. La bande, c'est une mosquée. L'autre côté, c'est une... Bien sûr, on est accompagné d'enfants comme partout. Donc là, on continue la balade et on arrive dans un deuxième village où apparemment il y a des belles choses à voir aussi. Alors là, nous sommes dans une très très vieille mosquée. Le privilège nous a été donné de rentrer dedans. En fait, c'est un vieux monsieur qui y habite et qui, avec l'aide de quelques-uns, la restaure. Malheureusement, il a souvent eu des faits contre lui, comme la foudre qui s'est abattue sur la coupole en 2008. Il nous a expliqué que c'est un endroit incroyable. Et lui, il nous explique qu'il a étudié ici, dans cette mosquée. Franchement, on prend conscience du privilège qu'on a d'être ici. Regardez, je vous fais découvrir la salle de prière. Je pense que c'est une des plus vieilles mosquées que j'ai pu voir. Voilà la coupole que le monsieur est en train de réparer. Je suis vraiment très très ému d'être dans cette salle de prière parce que les mosquées au Maroc en général, elles n'aiment pas bien qu'on y rentre, mais là, c'est un monsieur qui gère ça, qui nous a cordialement invité, mais c'est vraiment magnifique. Je dis souvent, je sais pas. Donc là, je monte sur la terrasse de la mosquée. Voilà, on voit la coupole qui est en train d'être rénovée. Regardez un peu. Alors là, on visite encore un autre village, mais on est dans une casbah. Mais je pourrais pas vous dire le village parce que c'est un nom à dormir dehors pour nous Français. Saïd nous a amené chez des berbères qui nous offrent le thé et qui tissent la laine.
une épée. Ça s'est fait avec le bois de cèdre. Ah, c'est avec le cèdre, oui. Donc voilà, c'est le soir, on est avec Saïd et on boit le whisky berbère, c'est-à-dire en fait un thé. Et la famille mange là-bas, voilà, c'est ça le Maroc. Vous avez vu cette lumière ce matin? C'est vraiment extraordinairement beau. Oh là là! C'est beau hein, cette lumière ce matin. Il y a quelques nuages, il fait un petit peu frais ce matin, mais c'est vraiment superbe. Alors là, on va partir en rando pour aller voir la source des poissons, du poisson sacré, la source du poisson sacré, voilà. Bon, il y a toute une légende, il y en a plusieurs hein, derrière ça, que je ne vais pas vous raconter, parce que bon, ça serait un peu long. Mais bon, bah, comme d'habitude, on va essayer de faire de très belles images et de vous les partager. Allez, c'est parti! Bon alors, hein, comme j'ai dit précédemment, on est en train d'aller jusqu'à la source du poisson sacré. Mais vous avez vu, hein, j'ai mis la petite veste et tout, parce que ce matin, il y a beaucoup de vent. Et ils annoncent un peu de pluie, ce qui est un miracle ici. On est dans un autre village, c'est le troisième qu'on visite. Alors là, c'est pareil, hein, c'est toute une partie abandonnée puisque les constructions aujourd'hui se sont modernisées, mais c'est vraiment aussi très beau. Alors ces maisons, hein, c'est des maisons en terre, donc elles ont été abandonnées parce que bah, l'entretien c'est extrêmement compliqué. Et bah, aujourd'hui on a inventé, là on le voit ici, là-haut, là, genre de briques quoi, comme des parpaings comme on a en France, donc du coup ça va plus vite et l'entretien est beaucoup moins difficile quoi. Vraiment très très beau ici hein. Un énorme figuier sur le côté là. Alors on traverse vraiment des endroits très pittoresques dans cette palmeraie et ben là il semblerait que l'orage a décidé de nous accompagner. On verra bien. Et voilà, l'orage nous a surpris. Alors c'est un bonheur ici, hein, la pluie bien sûr. Je suis en train de manger une grenade. Alors désolé, l'image n'est pas forcément top, mais je voulais vous montrer ça quoi. Elles sont super bonnes. C'est quoi la camomille? Où ça? Je sais pas trop. Bon, mais on fait avec la pluie ce matin.
Mais ça a un côté, je sais pas, ça fait bizarre quoi. Mais alors, je peux vous dire qu'ici la terre, ça colle. Hein. C'est magnifique, après l'orage, le soleil revient, c'est des lumières extraordinaires. Tout au long de cette balade, vous l'avez vu, on déguste des grenades, un peu acides, c'est vraiment très très bon quand on a soif. Des dates, bien sûr, les gens nous offrent des dates, on mange des dates. On a senti l'absinthe aussi, qui est une plante du coin, de la menthe. Enfin voilà, on se régale. Bon, c'est une bonne marche quand même. Hein. Alors après 2h30 de marche, on arrive là-bas. Et bien c'est les gorges du Taudra où on était l'autre jour qu'on est passé avec le véhicule dedans. Voilà, 2h30 de marche quand même, c'est pas mal. Hein. On n'est pas arrivé encore. Voilà, arrivé à la source du poisson sacré. Regardez comme c'est beau. Oh là là. Regardez, le monsieur est en train de trier les dates. Les dates fraîches de la palmerie. Bon, ben la pluie a eu raison de nous. Alors, on a trouvé la source du poisson sacré, mais on a pris refuge sous une tente berbère pour boire le thé parce que, ben, ma foi, il pleut pas mal là. Ah, il est bon. Alors le coup du spectacle, hein, c'est que pour rentrer, on fait du stop. Alors on va bien voir. Alors Fatima, elle est en train de préparer le feu. Voilà, on va se régaler. Et là, je vois qu'il y a la préparation des brochettes. Des brochettes et une salade chaude. Wow. Alors c'est la salade chaude. Brochette. Regardez comme c'est beau. Après avoir fait une belle randonnée ce matin, on va se régaler. Allez, allez-y. Alors voilà, la salade chaude est cuite. Là après, ils nous ont amené quelques premières brochettes. Et bien voilà les amis, c'est ici que s'achève cette vidéo. Avec ce magnifique turban qui m'a été offert par Saïd et cette magnifique djellaba qui m'a été offert par Mustapha, comme quoi la générosité pardon, du peuple marocain n'est pas une légende. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes. Bye bye.